Bonsoir Philippe. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous, et bien bienvenue dans une nouvelle session MOOC Effectuation. On est donc le 2 décembre et aujourd'hui on est donc en direct et on va voir avec quelques participants et notamment Alexandre de Hello Mentor. Alors, aujourd'hui au programme. Alors Philippe, excusez-moi, on va peut-être attendre 2-3 minutes en fait, parce que je pense que les Ouais. participants sont en train d'arriver. Et je me dis que ce serait un D'accord. petit peu dommage de Ouais, qu'ils c'est ratent vrai, ouais. tous. Ok, on va leur laisser le temps un peu de nous rejoindre. C'est ça. Les participants sont encore au bar, oui, effectivement. Xavier nous signale que le temps qu'ils prennent leur dernier verre, qu'ils viennent bosser un petit peu. Donc là, dans les coulisses, nous avons Alexandre Dana, d'Hello Mentor, évidemment, qui est la guest star d'aujourd'hui. Et aussi un participant du MOOC, Xavier Gilleron, qui interviendra un peu plus tard pour livrer son expérience de l'activité Nimoc et aussi poser quelques questions à Alexandre. Ouais, participant très actif sur les forums, vous l'aurez sûrement reconnu. Donc j'attends le top départ de Yannick pour lancer la session. Ok Philippe, on va pouvoir y aller. Très bien. Donc, eh bien, j'espère que maintenant suffisamment de gens ont pu nous rejoindre. Donc, bienvenue encore une fois dans ce MOOC Effectuation vidéo live aujourd'hui avec effectivement une guest star qui est Alexandre de Hello Mentor. Alors, au programme donc ce soir, on va faire deux choses. Allô Yannick. Merci. Alors, les objectifs ce soir, c'est d'abord, vous avez l'habitude maintenant, hein, c'est un retour sur la semaine 4 qui vient de s'achever, et puis quelques infos sur la semaine 5 qui démarre, enfin qui a démarré aujourd'hui. Et puis deuxièmement, un point sur l'activité MIMOOC qui a évidemment suscité beaucoup, beaucoup de questions, et on va en aborder quelques-unes. Alors, retour sur la semaine 4, lancement de la semaine 5. Alors, sur la semaine 4, vous êtes donc 2500 à avoir terminé la semaine 4, donc c'est bien, c'est même très bien. Ne prenez pas trop de retard, puisqu'encore une fois, eh bien, les choses s'accumulent, hein. Pour rappel, la deadline pour répondre au QCM hebdomadaire, c'est le 15 décembre, donc ça approche assez vite, donc voilà, ne vous laissez pas dépasser. Petite info sur Facebook, puisqu'on a dépassé maintenant les 1100 membres sur le groupe avec une très bonne activité, beaucoup d'échanges, beaucoup d'enthousiasme, et donc merci encore et n'hésitez pas à continuer à participer à ce groupe. Alors, quelques questions sur la semaine 4 qui nous ont semblé intéressantes. Alors d'abord une question de Lisa Fayet.
qui nous dit « Je souhaiterais revenir sur la notion de co-création qui permet de contrôler l'incertitude par le biais de l'engagement des parties prenantes. Cependant, comment appliquer ce principe sur un marché B2C, c'est-à-dire consommateurs finaux, où les clients sont dès lors beaucoup plus difficiles à appréhender ?» Alors, il n'y a pas de raison qu'un marché B2B ou un marché B2C soit plus facile ou plus difficile. On peut effectivement dire que dans certains cas, il est plus facile d'aller voir un client B2B, mais ce n'est pas toujours le cas. Inversement, un marché type grande consommation, eh bien, par définition, comme il y a beaucoup, beaucoup de clients, il peut parfois être plus facile d'en trouver quelques-uns. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières qui soient liées au côté B2B ou B2C. Ce qui est important, effectivement, c'est d'être capable de trouver ses clients et d'essayer de construire quelque chose avec eux. Et on a de nombreux exemples hein, de l'effectuation ben, qui ont été faits dans ces deux grands segments. Alors, question numéro 2, une question de Valig qui nous dit « Depuis le début du MOOC, on a parlé de l'entrepreneur, de ses premiers clients, de l'ébauche d'un marché, mais on ne parle pas de concurrents. Quelqu'un a posé la question de l'application des méthodes de l'effectuation à un marché existant, mais même un marché nouveau que l'on a co-créé avec des clients, s'il y a du succès, va attirer des concurrents. Que dit l'effectuation au sujet des concurrents ?» Alors ça, c'est une question que je trouve très intéressante, qui est très importante. Ce que dit l'effectuation, je vais y revenir tout de suite. Avant, il faut souligner, et c'est un point qu'on aborde dans la session numéro 5, je vais y revenir tout à l'heure, c'est que l'effectuation est plutôt pertinente dans les situations d'incertitude, c'est-à-dire en gros dans les marchés en émergence, hein, les nouveaux marchés. Et ce que dit l'effectuation, c'est que dans ces situations-là, c'est moins les concurrents qui sont pertinents, puisque, et c'est ce que vous dites, hein, souvent au début, il n'y en a pas, ou ceux qu'on a ne sont pas ceux qu'on pense, etc. En tout cas, en gros, ils ont moins d'importance qu'ils n'en ont sur un marché déjà existant. Donc la réponse de l'effectuation, c'est de dire que dans un marché nouveau, dans un marché en émergence, c'est beaucoup plus les partenariats avec les parties prenantes hein, qu'on a très longuement évoquées, clients mais pas seulement, ça peut être distributeurs, fournisseurs, etc. Ce sont beaucoup plus ces partenariats qui vont être importants qu'une analyse concurrentielle, puisqu'encore une fois, cette analyse concurrentielle va surtout être importante lorsque le marché est plus établi. Et donc l'idée, c'est que alors que le marché va commencer à se développer, se structurer et émerger, eh bien là, on va devoir commencer à s'intéresser un petit peu aux concurrents. Voilà. Alors, quelques mots sur l'activité Get a Brain. Alors, on a plus de 360 contributions, donc c'est super. Alors, c'est une activité qui, évidemment, était un peu provocatrice, hein, donc évidemment, ça a fait réagir certains d'entre vous. Mais dans l'ensemble, elle a suscité votre intérêt, et c'est tant mieux. Alors, on a quelques solutions qui là, nous ont beaucoup plu. Alors d'abord, Didier a trouvé la solution. Il nous dit « En tant qu'entrepreneur à la tête de la société Get a Brain, je commence par m'administrer la technologie et ensuite je pourrai donc trouver des réponses intelligentes. » Voilà, Didier a tout compris. Thierry propose une autre solution, alors qui ne fonctionnera que dans le contexte français. Il nous dit « L'incertitude vient des lois bioéthiques qui pourraient interdire de telles pratiques. La solution, démarrer dans des pays moins sensibles à ces questions que la France. » Et il propose de plus d'utiliser la télé-réalité pour vanter les bienfaits de Get a Brain. Là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge et ça serait effectivement très utile. Ensuite, et c'est ça qui est intéressant aussi hein, dans cette activité, eh bien, Anthony Flores recommande la lecture du livre « Des fleurs pour Algernon » que je n'ai pas lu personnellement, de Daniel Case. Tandis que Jean-Claude Doré, enfin J.C. Doré, pardon, recommande celle de quelques livres de Bernard Werber, effectivement, qui est assez pertinent pour ce type de questions. Et Christophe Espanel conseille pour sa part le film Limitless. Et comme quoi, un MOOC, ça peut aussi servir à compléter votre bibliothèque et votre filmothèque. Je précise que je suis totalement ignorant de ces films ou de ces lectures. Et c'est bien l'un des intérêts d'un MOOC qui est que ben, collectivement, les gens sont beaucoup plus intelligents qu'un professeur tout seul devant sa caméra. Et je trouve ça personnellement assez super. Donc merci beaucoup pour vos contributions. Alors, lancement de la semaine 5, ben, on est dedans. Hein, vous avez sûrement déjà, pour beaucoup d'entre vous, regardé cette session. On y aborde le cinquième principe de l'effectuation.
qu'on avait un petit peu gardé. Alors, ça, certains d'entre vous ont posé la question hein, de savoir, mais on a abordé que quatre principes, quid du cinquième, et ben voilà, ça y est. La raison pour laquelle je l'avais gardé pour la fin, c'est que c'est un principe qui me semble un peu plus général, assez profond, dont les implications vont au-delà d'une sorte d'heuristique qui nous permet d'avancer. Encore une fois, qui est que eh bien, l'entrepreneur est maître de son environnement, il peut le transformer. Et ça me semble un principe très important. Vous avez cette semaine une vidéo bonus de Éric Bordeaux-Montrieux, qui est le PDG de Ménissance, eh bien, qui nous fait part de son expérience. Il a voilà, une vision du lancement et du développement de son activité. Vous verrez que sur certains points, il rejoint beaucoup l'effectuation. Sur d'autres, il s'en éloigne un peu, et c'est aussi pour ça que ça nous a intéressés. Le message derrière ça, c'est que l'effectuation, ça n'est pas une religion, c'est un ensemble de pratiques que chacun accommode un peu à son goût, et ben, la vidéo d'Eric est un très bon exemple de ça. Merci beaucoup à lui d'avoir accepté de partager son expérience. L'activité de la semaine sur le cinquième principe, eh bien, on vous demande, fidèle à cette idée de transformation que l'entrepreneur peut transformer son environnement, eh bien, on vous demande de trouver un secteur qui va permettre, qui va subir un peu votre transformation. Donc, trouvez-nous un secteur sclérosé, je pense que ça ne manque pas, et dites-vous, voilà, qu'est-ce que j'aimerais changer dans ce secteur ? Ça peut être une industrie, un type de commerce, etc. Et laissez libre cours à votre imagination. La semaine prochaine, dernier point, on va mettre en ligne l'examen final, hein, qui sera lui aussi un QCM, et qui, bien évidemment, sera obligatoire si vous voulez valider le MOOC. Donc, voilà, on vous en dira plus très bientôt. Alors, l'activité MIMOOC. Alors, beaucoup de travail déjà. On a déjà 40% des évaluations complétées, ce qui est vraiment bien. Alors, on est loin du total, bien sûr, donc il y a encore du travail, mais déjà les évaluations affluent. Certains d'entre vous ont réalisé les quatre évaluations réglementaires. J'ai noté que certains voulaient en faire plus. Ne vous inquiétez pas, on a noté vos noms. Vous avez la possibilité de modifier vos évaluations, hein, il ne faut pas oublier ça, jusqu'au dimanche 8 décembre. Donc, si vous voulez revenir sur vos évaluations, c'est possible. Laissez des commentaires si vous pouvez, parce que c'est constructif. Ça aide beaucoup les gens qui sont évalués. Alors, l'évaluation de l'activité, on sait que c'est difficile. Hein, voilà, il y a eu beaucoup de questions sur « mais est-ce que je suis capable de le faire ? Comment puis-je le faire ?» etc. C'est difficile, mais encore une fois, ça nous paraît constituer une part essentielle de l'apprentissage, parce que le correcteur apprend également, et nul n'est parfait. Donc, même un professeur, hein, ne pensez pas qu'un professeur, c'est quelqu'un qui note de manière parfaite et absolue. Et donc, il y a toujours une part d'incertitude dans une correction. Ce qui est important, c'est de faire un feedback à la personne qui a fait la copie. Alors, il y a quelques petits problèmes techniques. Si le fichier qui vous est demandé de corriger est corrompu ou pas utilisable, eh bien, vous ne tenez pas compte du devoir, vous ne lui donnez pas de notes et vous passez à autre chose. Pas de problème. Alors, on nous a demandé s'il y aurait un corrigé type, et la réponse, c'est non, parce que nous souhaitons, comme ce sont des questions très ouvertes, la part d'imagination est très importante, et si je fais un corrigé type, eh bien, ça fermera considérablement l'éventail des possibilités. On ne notera plus les devoirs que sur la base de ce que j'ai dit, ce que l'équipe encadrante a dit, et ça nous semblerait très dommage. Voilà. Donc, nous résistons à cette tentation, et encore une fois, demandez-vous si la personne qui a écrit le devoir a compris les principes de l'effectuation et elle les a appliqués. Alors, concernant les questions sur l'évaluation, alors, comment ça marche ? On en a beaucoup parlé, hein, mais lisez les quatre copies pour vous mettre en perspective, et ensuite vous pouvez les corriger effectivement en regardant un petit peu les copies les unes par rapport aux autres. Vous avez un tutoriel, donc n'hésitez pas à le lire, il s'appelle « Tutoriel évaluation par les pairs ». Vous avez un avant-dernier paragraphe qui vous donne des précisions utiles. Alors, quelques points très rapidement. Est-ce qu'on peut mettre une note intermédiaire dans la grille ? Oui. Faut-il prendre en compte des erreurs de français ou d'orthographe ? Non. La raison, c'est que nous avons beaucoup de participants qui viennent de pays et qui ne sont pas forcément francophones, ou en tout cas
dont le français n'est pas la langue maternelle, et donc on ne veut évidemment pas les pénaliser. Et donc on va dire que dès lors que le texte est compréhensible et que le contenu tient la route, eh bien, il faut donner une bonne note, ne serait-ce que pour encourager cette participation. Chaque document est évalué par combien de personnes? Eh bien, figurez-vous que si vous évaluez 4 documents, ça veut probablement dire que chaque document est évalué 4 fois. C'est totalement symétrique. Voilà. Alors, je vais rendre la parole à Yannick maintenant, puisque nous avons un retour d'expérience en direct d'un participant, donc Xavier. Je crois qu'Yannick, hein, on passe la parole à Xavier. C'est ça, exactement. À vous, Yannick. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. On va accueillir effectivement Xavier, donc, qui est un participant de ce MOOC et qui va nous parler un petit peu de comment il a vécu la phase d'évaluation par les pairs sur l'activité LIMOC. Xavier, vous nous entendez? Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, Xavier. Nickel. Ok, parfait. Alors effectivement, l'activité... Déjà, bonsoir à tout le monde. Merci d'être aussi nombreux devant votre télé à cette heure-ci. En fait, une question, oui, sur l'activité MIMOC qui a été très débattue, je dirais, sur les forums, puisqu'en fait, j'ai pu voir de nombreux posts qui ont été mis sur ce point-là. En fait, je pense que déjà, il est très difficile à la fois d'être correcteur, ça je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont constaté. Également, c'est très difficile aussi d'être corrigé. j'ai eu moi personnellement des copies de valeurs très différentes. Je pense que ça a été le cas de beaucoup de personnes dont certains avaient complètement compris les principes de l'effectuation, d'autres beaucoup moins. Alors la question que moi je me posais justement par rapport à ça, et je pense que ça peut, c'est une question que beaucoup de personnes se sont posées, c'est justement par rapport à ces personnes qui ne semblent pas forcément avoir compris les principes de l'effectuation et qui se retrouvent elles-mêmes correcteurs, comment peut-on voir le côté, je dirais, comment valider le fait que ces personnes puissent corriger alors que on s'aperçoit que dans les copies qu'elles ont rendues, elles n'ont pas forcément compris. C'est-à-dire être à la fois correcteur et corrigé suppose qu'on puisse comprendre bien sûr les principes d'effectuation. Et c'est un peu le donc forcément beaucoup de personnes se sont posées des questions. Moi-même je me suis posé savoir quid d'une personne qui ne comprendrait pas forcément les principes d'effectuation et mettrait une note qui soit complètement qui ne correspond pas vraiment à ce qu'elle a pu comprendre de ces principes. Donc ma question elle est là en fait. Ok, donc merci pour ce témoignage, Xavier. Alors Philippe, qu'est-ce que vous en pensez effectivement de cette situation où des gens qui n'ont pas forcément compris les principes de l'effectuation se placent dans la peau du correcteur? Oui, alors effectivement, c'est une vraie question, mais il est paradoxalement plus facile d'observer, enfin de lire quelque chose et de voir que la personne a compris que de formuler une réponse. C'est-à-dire que la correction finalement reste assez passive. Moi, il m'est souvent arrivé dans ma vie de comprendre des textes que des gens avaient écrits alors que j'aurais pas été capable de formuler ce qui a été écrit dans le texte. Donc il y a une forme d'asymétrie. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi pour ça qu'on a plusieurs correcteurs, que chaque copie est corrigée plusieurs fois, voilà, pour contrebalancer un peu ce type de situation. Et comment dirais-je, ensuite bon, nous on va avoir des systèmes pour surveiller des aberrations éventuelles, donc je dirais que les notes sont quand même pas lâchées dans la nature. Exactement. Donc, elles seront ensuite harmonisées. Donc, en fait, on a un moyen d'écarter effectivement les extrêmes et de les détecter. Donc, par rapport à ça, pas d'inquiétude, Xavier, et puis même pour les autres participants sur ce point précis. Donc, merci Xavier pour ce retour d'expérience. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de passer à ce que vous attendez tous peut-être. C'est la venue d'Alexandre, donc qui nous a permis d'avoir Hello Mentor comme étude de cas dans ce MOOC. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous. Tu nous entends bien? J'entends très bien moi. Vous m'entendez? Bah parfaitement. Nickel.
Super. Parfaitement. Écoute, Alexandre, de nouveau, merci d'avoir joué le jeu dans cette étude de cas. Donc, merci. C'est moi qui dis merci. Hein. Merci vraiment à tout le monde, à Philippe, à Yuno et surtout à tous les participants. Pour le moment, ça se passe vraiment très, très bien. On est très, très contents des échanges qu'on a eus avec les participants, que ce soit sur la plateforme, sur le groupe Facebook, les gens qui sont venus nous parler sur le live chat du site, les mails que j'ai reçus directement, les coups de téléphone que j'ai eu avec certains. Et puis là, j'ai commencé à regarder les contributions. Il y a vraiment des idées absolument excellentes, donc très très bonne expérience. Alors justement, Alexandre, qu'est-ce que tu en retires pour l'instant de l'expérience d'être dans cette étude de cas de SEMOC? On est un peu, je t'avoue que le premier week-end, on était totalement dépassé par les événements, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'activité sur le live chat. Pour la première fois, le site a été down, dû à l'affluence. Mais une idée là que j'ai vu passer, que j'ai trouvé excellente, c'est quelqu'un qui répondait à la question comment faire en sorte de promouvoir un service comme les cours particuliers dont les élèves ne parlent pas généralement facilement. Et son idée était de créer un système de mentors disponible uniquement sur invitation. Et une petite sélection, il prenait l'exemple de Fight Club, film que j'aime beaucoup. C'est peut-être ça qui m'a plu aussi. Et donc voilà, ce type d'idée, vraiment, on n'y aurait jamais pensé. Et puis il y a toute une réflexion détaillée. Et on ne les oublie pas. On les oublie pas. Ça marche. Écoute, on a préparé quelques questions pour toi. Donc d'abord, Alexandre, il y avait eu quelques participants qui s'étaient pas mal intéressés à l'aspect juridique d'Elementor. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, bien sûr. Et pour revenir à la définition même d'Elementor, c'est un service de mise en relation. Donc c'est un service qui s'inscrit dans toute la mouvance des services entre particuliers, que certains appellent d'ailleurs économie collaborative ou consommation collaborative. Là-dedans, vous avez des sites comme Airbnb qui permettent de louer son appartement, des sites de location de voitures, des sites de covoiturage, des sites des sites comme TaskRabbit ou Capable en France où on peut louer ses services en tant qu'artisan. Et donc, HelloMentor se situe dans ces systèmes peer-to-peer de mise en relation. Alors, il y a effectivement plusieurs risques juridiques puisque c'est tout simplement une activité qui n'existait pas du tout sous cette forme et qui a été rendue possible par Internet. Premièrement, un des risques, c'est l'encaissement pour compte de tiers. C'est le fait d'avoir accès à l'argent mis soit par les élèves, soit en attente d'être viré par les mentors. Là-dessus, clairement, HelloMentor a été dans une approche effectuelle puisqu'on a évolué là-dessus. On est passé en avril dernier sur une solution de paiement qui fonctionne avec des comptes séquestres. Ces comptes secrets, sans rentrer dans les détails financiers les plus profonds, permettent tout simplement à la société qui les met en place de ne pas avoir accès à l'argent des utilisateurs. Donc HelloMentor ne peut jamais, par exemple, placer l'argent des mentors avant que l'argent leur soit viré, et ne peut jamais placer l'argent des élèves avant que cet argent soit transféré aux mentors. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a bien sûr des questions fiscales qui se posent sur la déclaration des revenus des mentors. Et là-dessus, c'est à la responsabilité des mentors. Alors, j'en parlais avec Philippe. Je ne sais pas si Philippe, tu veux rajouter un point sur ce que je viens de dire. Ouais. Donc, merci Alexandre, parce que je trouve effectivement intéressant ce petit rappel sur le fonctionnement des flux financiers. Et là, ça me semble rentrer directement dans les questions qui se posent sur ce type d'activité. Et tu as bien fait de rappeler que c'était un modèle qui se développait énormément. Qui est extrêmement intéressant, extrêmement puissant, qui offre effectivement plein de garanties à la fois juridiques, commerciales et financières pour pouvoir fonctionner. Voilà. Alors maintenant, au-delà, on a un certain nombre de participants qui ont été extrêmement loin dans les questions sur la fiscalité, les structures juridiques, le dépôt de marque, etc. Toutes ces questions peuvent se poser effectivement, mais moi, elles me semblent un peu quand même hors cadre, puisque l'activité ici, et je dirais que le MOOC en général, c'est avant tout une problématique, on va dire, pour caricaturer, business.
Donc, c'est d'ailleurs, enfin, c'est pour ça qu'on a centré les questions autour de problématiques, de segments, de clients, de thèmes de croissance, etc. Donc, voilà, on va un peu clore là-dessus parce que il faut pas trop se focaliser sur ces questions juridiques. Et puis bon, Alexandre est sympa de livrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails sur son entreprise. Mais il n'est pas non plus sans cesse déshabillé en public en révélant absolument tout. Et voilà. Donc concentrons-nous sur les aspects business, parce que déjà, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière à faire. Ok, bah merci à Alexandre et Philippe. Une question de Abdel, Alexandre, qui te demande quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au tout début de ton projet. Oui, bien sûr. Alors, au tout début, l'histoire de Hello Mentor, c'est l'histoire d'un type qui donne des cours dans son lit le dimanche matin parce qu'il n'a pas envie de prendre le métro. Donc, à la base, c'est ça. À la base, l'idée de Hello Mentor, c'est mon histoire de jeune qui donne des cours particuliers et qui commence à les donner en ligne sur Skype. La difficulté qu'on a rencontrée, elle est assez singulière. Si on prend parce que nous on est une start-up, donc on est une société à forte dimension technologique. La difficulté classique de ces start-up, c'est d'avoir un énorme pic de visites et d'inscrits au début, et de tout de suite en fait perdre tous ces utilisateurs qui ne reviennent pas sur le service. D'avoir beaucoup d'utilisateurs, mais d'avoir une rétention qui est très faible. Oui. Hello Mentor a été dans la situation totalement inverse. Nous n'avions quasiment aucun élève ni mentor. On avait une rétention absolument hallucinante de ces élèves et de ces mentors. Donc, dès le début, en fait, on avait trouvé quelque chose qui répondait à un besoin. Et toute la difficulté a été de le communiquer à de plus en plus de personnes. Et on est en train progressivement de trouver encore plus de façons, de solutions pour communiquer à un plus grand nombre d'élèves, à un plus grand nombre de mentors. Autre difficulté du tout début a été la recherche des associés. C'est une question qui revient très souvent, moi, quand je parle à des jeunes entrepreneurs. Enfin, jeunes entrepreneurs, ils sont souvent plus âgés que moi, mais enfin, des gens qui sont au tout début de leur projet. Comment est-ce que tu trouves, par exemple, un associé développeur? Comment est-ce que tu trouves un associé qui va te compléter? Et là-dessus, moi, j'ai vraiment été très inspiré par un livre qui s'appelle « La montagne magique » que certains ont peut-être lu, qui est assez loin du thème de l'entrepreneuriat. Mais il y a un livre où on comprend que le temps, en fait, n'a pas la même valeur selon certains moments. J'ai essayé de m'expliquer. Quand vous faites une levée de fonds et que ça prend plus de 6 mois, ça prend extrêmement longtemps. Par contre, pour moi, quand vous recherchez des associés et que ça prend 6 mois, c'est quasiment rien parce que la recherche d'associés, c'est fondamental. Donc moi, au tout début de mon projet, une des difficultés, c'était de trouver un associé développeur, qui est aujourd'hui Grégoire, notre directeur technique. Et je sais que pendant 6 mois, tous les matins, je me levais en me disant « Aujourd'hui, je trouve un associé développeur. » Et ça peut sembler comme de la perte de temps de s'acharner pendant 6 mois sur cette recherche. On pourrait essayer de trouver d'autres solutions, trouver de l'argent pour développer le site en Roumanie ou je ne sais quoi, ce que font certains. Hein. Mais pour moi, c'était vraiment extrêmement important. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir pris ce temps et d'avoir affronté cette difficulté qui était de trouver un associé et ensuite après, d'avoir appris à travailler avec lui, ce qui a également pris 6 mois. Voilà. Super, bah merci Alexandre pour cette réponse. Xavier, je vous passe la parole pour votre question. Oui, ben écoutez, justement, c'est très en relation avec ce que Alexandre vient de dire. C'est justement, moi je voudrais savoir si Alexandre avait justement conscience de son approche effectuelle au moment de la création de son projet, puisqu'effectivement il vient de parler de ses associés, de la recherche d'associés, donc c'est on est complètement dans la recherche on est complètement dans l'approche effectuelle, mais je voulais savoir s'il en avait conscience. Là-dessus, moi c'est un débat qui vient souvent quand on se retrouve avec différentes personnes qui ont créé leur entreprise. On essaye toujours d'avoir l'approche la plus effectuelle possible. C'est une préoccupation constante, mais au final, on se rend toujours compte après coup qu'on ne l'a pas été assez. Et on revient toujours sur ce qu'on a fait en se disant mais on aurait dû faire différemment, on aurait dû plus écouter le marché, on aurait dû plus tester. Donc, pour moi, c'est une utopie. Enfin, mais ça ne veut pas dire que c'est une utopie. En fait, il faut tendre vers l'utopie.
il faut tendre vers l'approche effectuelle maximale, parfaite. Je ne suis pas certain qu'on puisse y arriver, mais il faut le temps. C'est là-dessus qu'il faut, c'est vers là qu'il faut aller. Je suppose que Philippe va vouloir me reprendre là-dessus. Oui, non, mais c'est une très bonne question, effectivement, et la réponse est intéressante aussi. Ma réponse, elle est assez simple, elle est de dire que l'effectuation, c'est pas un dogme, c'est pas une religion, c'est un ensemble de principes. Ces principes sont plus ou moins appliqués en fonction des situations, mais aussi en fonction des personnalités. Xavier, tout à l'heure, disait que lui, il appliquait beaucoup. Alexandre, toi, c'est peut-être un peu moins sur certains points, et tout va bien. Hein. Je pense que une des choses qu'on dit, par exemple, dans la session 5, pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est ça aussi. C'est que. Alors, on a un peu volontairement opposé causal et effectual pour par souci pédagogique, mais on n'est jamais totalement l'un ou totalement l'autre. Et moi, dans mon expérience, j'ai appliqué aussi pas mal de principes de l'effectuation, mais pas tous. Voilà. Alors, on peut, sachant que ces principes existent, on peut en tirer des enseignements en se disant, ben voilà, je peux peut-être plus tirer profit de ces principes que je ne le fais d'habitude ou que je ne le faisais avant. Mais voilà, on est le mélange. Chacun fait un peu un mélange à sa sauce, hein, donc c'est ça qui est important, je crois. Ok, la question suivante, elle est récurrente à la fois sur le forum et sur Facebook. C'est les participants qui se demandent comment tu as trouvé Grégoire, qui est l'une de tes parties prenantes vraiment fondamentales. Donc, ouais. Pour rappel, Grégoire, c'est le directeur technique, le développeur principal de HelloMentor. Ok. Alors, comme je disais, donc j'ai cherché Grégoire pendant 6 mois. Pourquoi je l'ai cherché premièrement? J'avais créé une première entreprise à la fin de ma première année à l'ESCP, qui a été une faillite totale d'ailleurs. Je pense que la première raison de la faillite, c'est que j'avais en partie créé cette entreprise parce que je voulais pas faire de stage dans une grosse boîte. Je voulais pas également partir faire de l'humanitaire au Pérou, donc la seule solution pour valider les crédits, c'était de créer une boîte. Ce que j'ai fait. Et à l'époque, on faisait pas le site en interne. On était passé par une agence de développement web, ça s'est très mal fini, il y a eu un procès, enfin bon, catastrophe totale. Donc, trouver un associé était très important. Alors, je dirais que j'ai fait deux choses pour trouver. Il y a deux choses à distinguer. Comment, où aller, à qui s'adresser pour trouver un associé développeur, et deuxièmement, comment faire pour que le courant passe au moment où on rencontre des potentiels associés. Il était très clair pour Charles et moi, Charles qui était déjà dans le projet, parce qu'on est trois associés cofondateurs, donc Charles et moi, on se connaissait de l'ESCP, on a cherché Grégoire. Pour Charles et moi, il était extrêmement clair qu'on cherchait un associé. Donc, sans livrer tous les détails de la composition des parts de HelloMentor, on est quasiment tous les trois à part égale. Donc, c'était le signe qu'on cherchait bien un associé. Pour ça, à Paris, il existe beaucoup d'événements qui facilitent les rencontres entre personnes de profils différents. Donc, on y allait tout le temps. C'est du networking. Je ne vais plus à aucun de ces événements. Je déconseille à toute personne qui a une activité d'y aller. J'ai compris, moi, un truc qui m'a vraiment débloqué, c'est de comprendre que le networking sert quand on a un but. Il ne faut pas aller à des réunions d'entrepreneurs pour juste boire des cocktails. Il faut mieux aller voir des amis ou sa famille. Par contre, quand on a un objectif et qu'on cherche quelque chose, moi, je cherchais un associé développeur. Ça peut être très bien. Donc, à Paris, il y a le Starting Paris, le Mashup. Enfin, il y en a un peu partout dans chaque ville. En rencontre, notre but n'était pas du tout. Ces événements sont souvent faits sous la forme de conférences au début et puis après de rencontres autour d'un cocktail. Nous, les conférences, on ne les écoutait pas. On cherchait les types qui avaient l'air barbus dans l'assemblée. On allait leur parler. Et après, on allait au cocktail pour manger gratuitement. Donc voilà comment on faisait. Au final, Grégoire, on l'a rencontré via une rencontre. Qu'on a eu à un événement qui s'appelait le Mashup. Et en parallèle de ça, comment faire pour que le courant passe? Il y a toujours une sorte d'alchimie, il y a une énorme part de chance. Grégoire, c'est quelqu'un qui aussi, c'est l'aîné d'une famille de 8 enfants. Enfin, c'est la pédagogie, ça lui parlait. Le rôle de mentor, ça lui parlait. D'ailleurs, il a donné des cours de programmation sur le site toute l'année dernière. Le courant est bien passé entre nous parce qu'on s'intéressait à des thèmes communs de la création d'entreprise. Le fait que j'ai commencé à apprendre à coder a également favorisé, je pense,
le développement d'une relation. Et maintenant, on est associés, mais on est surtout amis. Mais voilà, je pense que quand vous cherchez pour un, quelle que soit la recherche, un associé doit venir compléter une équipe. Donc, doit amener des compétences que vous n'avez pas. Par contre, il est très important que les compétences se diffusent entre associés. Et donc, si vous cherchez un associé développeur, savoir coder soi-même, ou savoir faire ce que je fais, savoir bidouiller de l'HTML et du CSS, est extrêmement pratique. Voilà. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il faut un recouvrement de compétences, en fait, plutôt que une stricte compartimentalisation. Voilà, je pense qu'il faut être profondément intéressé par ce que fait l'autre, par ce que fait son associé, et pour ça, il faut le comprendre un minimum. Parce qu'au final, c'est juste la victoire collective. C'est-à-dire que moi, si je ne sais pas comment Grégoire travaille, je peux jamais l'aider. Et des fois, je l'aide en lui posant des questions qui sont... Moi, bien sûr, je n'ai pas du tout son niveau technique, mais le fait que j'ai quelques bases en programmation, des fois, me permet de sentir que peut-être la cause d'un bug vient de cette origine-là. Enfin, mais de manière générale, s'intéresser à ses fondateurs, c'est fondamental. Ok, merci beaucoup Alexandre pour cette réponse. Une question là qui nous vient de YouTube. Combien de temps est-ce que tu consacres aujourd'hui à ton activité de dirigeant? Est-ce que tu es encore étudiant? Ah oui, je suis encore étudiant. J'étais en cours tout à l'heure. J'avais un partiel. Normalement, c'est fini dans 2 semaines. Enfin, j'ai un mémoire à faire. Mais normalement, que je devrais rendre en juin. Mais non, j'ai quasiment plus de cours. De toute façon, pour répondre à la question, depuis le lancement d'Hello Mentor, depuis la création de la société Hello Mentor, donc été 2012, on est à temps plein sur Hello Mentor. Et en parallèle, on a les études, mais de la même manière qu'un créateur d'entreprise qui aurait un enfant a en parallèle son enfant. Enfin, je me rends compte en disant ça que ça peut avoir l'air horrible, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour nous, l'important, c'est l'entreprise. On a ce truc-là, qu'on appelle les études à côté, et il faut bien se débrouiller pour finir. Mais la priorité, c'est le développement d'Hello Mentor. Donc, vous dire combien de temps on y consacre, c'est plutôt combien de temps on n'y consacre pas. Enfin, c'est notre temps. Donc. Ça marche. Une autre question, Alexandre, là, qui nous vient des forums. Comment est-ce que tu as eu connaissance de l'approche effectuale? Donc, tu nous disais tout à l'heure que voilà, tu t'étais aperçu finalement un peu en le faisant que tu avais appliqué certains principes, et notamment quand tu as découvert réellement l'effectuation au tout début de ce MOOC d'ailleurs. Mais du coup, comment est-ce qu'au départ, tu as réussi à les appliquer à ton avis? Avec quelles ressources? Moi, alors là-dessus, j'utilise beaucoup Twitter. Toutes mes ressources que sur le monde des startups, l'approche effectuale, d'autres approches aussi, c'est via Twitter. Moi, j'utilise beaucoup Twitter comme une curation. Je suis abonné au Fluid Philippe, par exemple. Et c'est vraiment comme ça, en fait. Ça me fait découvrir des blogueurs, ça me fait découvrir des sites intéressants. Voilà. Après, il y a 12 000 manières de faire là-dessus. Hein. D'accord, non, en fait c'est moi qui te tendais une petite perche parce que je pense qu'on est quelques-uns à avoir connu le mouvement Lean Startup, les principes Lean Startup avant d'avoir entendu parler d'effectuation, et je pense que c'est ton cas aussi, non? Oui, effectivement, et c'était mon cas, j'avais entendu plus parler de Lean Startup. Moi je les aime pas beaucoup les types de Lean Startup parce que ils organisent des workshops à 500 euros la journée, c'est rentable, hein, c'est rentable pour eux, Alexandre. Oui, c'est rentable pour eux. Je sais pas si ça l'est pour les participants, mais voilà. J'ai un petit problème avec ça, parce que du coup, en fait, derrière le monde Lean Startup, Philippe l'expliquerait mieux que moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même une approche théorique qui a été détournée dans le sens de consulting 2.0. Bon, je suis Lean Startup a plein de choses intéressantes, hein. Ça part quand même d'un d'observations qui sont intéressantes, donc il y a rien à dire là-dessus. Qu'il y a un très bon business qui a été fait au-dessus de ça, c'est indéniable, mais après tout, c'est légitime, hein. Après, effectivement, on n'a pas le temps ce soir, hein, mais on pourrait discuter des liens qu'il y a entre Lean Startup et l'effectuation. Il y en a pas mal, il y a l'idée de progression,
pas tout faire d'un coup. Il y a l'idée d'investir peu et d'itérer. Mais bon, plus généralement, Lean Startup est plus centré sur la validation du produit et la découverte des besoins du client. Bon, effectuation est plus générale. Effectuation, aujourd'hui, n'est pas, je dirais, dans une démarche commerciale avec des consultants, etc. Hein, mais... Non, mais voilà, moi à partir du moment où je vois des gens sur LinkedIn qui me contactent en me disant bonjour, je suis consultant Lean Startup, est-ce que je peux vous vendre mes prestations, logiquement j'ai quelques réticences. Ok, alors une autre question, c'est une des dernières qu'on va prendre. C'est un participant qui demande si vous avez déjà envisagé de vous spécialiser par examen et faire des. Enfin, vraiment focaliser examen au concours. Et envisager des partenariats avec des éditeurs comme Ellipse ou Erol, par exemple. Ça, vous l'avez déjà envisagé ? Jamais. Pourquoi vous aviez pas d'autres questions, Yannick ? Non. Alors, par contre, ça touche un point très intéressant. Derrière cette question, il y a la question de formaliser, de formater plutôt l'offre offerte par Hello Mentor. Je m'explique. Beaucoup de sociétés développent des offres. Je vous vends des vidéos, des profs ou ce que vous voulez. En échange de ça, vous avez le bac. Et ça vaut tant. Et je crois comprendre la question dans ce sens-là, à savoir, Hello Mentor proposerait un cursus pour avoir son bac, avec X mentors sélectionnés pour avoir son bac dans ce cursus-là, en association avec tel éditeur. Ça coûte tant, il y a tant de sessions, et à la fin, vous avez votre bac. Enfin, c'est la promesse. Pourquoi on fera peut-être ça un jour, j'en sais absolument rien. Pourquoi on ne tend pas là-dessus actuellement ? Parce que Hello Mentor est un service de mise en relation. Donc, par exemple, les prix sont différents selon les mentors. Les mentors fixent leurs prix, ce qui permet d'avoir des prix inférieurs à tout ce qu'il y a ailleurs. Il n'y a pas d'abonnement. Les élèves ne sont pas obligés d'acheter des forfaits d'heures de cours. Donc, l'idée, c'est que chaque élève prenne le pouvoir sur son éducation. Chaque élève prend le pouvoir sur les cours particuliers qu'il prend, il prend le nombre de sessions qu'il a envie de prendre, avec le nombre de mentors qu'il a envie de prendre. Donc, on les laisse extrêmement libres. La piste qui est évoquée actuellement me semble aller dans une direction inverse qui n'est pas celle qu'on privilégie actuellement. Ça peut tout à fait changer. Ok, bah merci pour cette réponse, Alexandre. Quelqu'un demandait aussi si tu allais lire chacune des copies qui avait été rendu dans le cadre de l'activité. Ah oui, c'est obligatoire, ça. Par contre, Alexandre s'y est engagé et il va consacrer les 12 prochains mois à la lecture attentive de chacune des copies qui sera rendue, corrigée et annotée par Alexandre lui-même. Et je voulais d'ailleurs en profiter pour le remercier de cet engagement. De manière manuscrite, honnêtement, vraiment, j'aimerais beaucoup. Rassure-toi, Alexandre, c'est pas ce qu'on va te demander. Grâce à l'évaluation par les pairs, justement, pouvoir faire remonter les meilleurs travaux. J'ai commencé. Exactement, on a commencé à transférer à Alexandre certaines copies qui ont eu de super évaluations. Faut dire qu'il y en a un certain nombre qui ont bien bossé. Hein. Je veux pas écœurer les autres, mais quelques très bons résultats déjà. Hein. Ouais, moi vraiment, j'ai vu des copies excellentes, absolument excellentes. Et donc, c'était aussi une question qu'un participant avait posée. Il demandait si on essaierait de faire remonter certains travaux qui avaient été très bien réalisés. Et on essaiera bien de le faire. Donc, ce ne sera pas tout de suite, peut-être dans 2 ou 3 semaines. Mais en tout cas, c'est bien quelque chose sur lequel on va travailler. Donc voilà, ça fait un peu plus de 3 quarts d'heure qu'on est sur ce live. Une autre question qui ne concerne pas Hello Mentor, on va sûrement la poser à Philippe. Avant ça, c'est peut-être l'occasion de remercier une nouvelle fois Alexandre pour sa participation d'abord dans le MOOC et ensuite dans ce live. Donc, merci vraiment, Alexandre. Ben, merci encore une fois à tout le monde. C'est très sympa. Je passe un coucou à nos nouveaux mentors et à nos nouveaux élèves qui nous ont rejoints via le MOOC. Notamment une grosse demande pour des cours d'anglais. Mais voilà, c'est au-delà juste du nombre de mentors et du nombre d'élèves qui a augmenté. C'est surtout les retours et les échanges très très sympas. On a parlé tout à l'heure du cas des questions juridiques où ça a été un peu tendu. C'était aussi très sympa d'échanger là-dessus. Enfin, c'était intéressant. Et je retiens aussi tous les messages d'encouragement, de félicitations qu'on a reçus par mail. Bravo, votre projet est super. Enfin, vraiment,
et sur le par mail, par sur le live chat de notre site, on a eu beaucoup de retours très très encourageants et ça fait extrêmement plaisir. Et pour un entrepreneur qui est au tout début de son projet, parce qu'on est encore au tout début, c'est la plus grande motivation, c'est assurément ces retours et ces encouragements qu'on reçoit régulièrement. Super, ben merci Alexandre, on va tous devenir mentor sur Hello Mentor. et puis je vais poser du coup une question à Philippe, là qui vient des forums, quelqu'un qui a une question sur les marchés émergents. Alors juste le temps de retrouver la question. Donc voilà, c'est une personne qui pose la question. Vous parlez de nouveaux marchés ou de marchés émergents pour lesquels les principes de l'effectuation sont particulièrement adaptés. Mais qu'est-ce qui nous permet d'affirmer qu'un marché est émergent ? Ah, c'est une bonne question ça. En général, un marché émergent, tant qu'on n'en a pas rencontré un, on ne sait pas ce que c'est. Alors sans rentrer dans des définitions un peu académiques, mais un marché émergent, c'est... Alors vous avez alors un marché en économie, un économiste vous dirait un marché, c'est l'endroit où se rencontrent l'offre et la demande. Ça c'est bien, sauf qu'en pratique c'est un peu plus compliqué que ça. Un marché c'est une institution, c'est-à-dire un ensemble de pratiques, un ensemble d'acteurs. Et typiquement quand vous lancez un produit pour lequel il n'y a pas encore de clients, il n'y a pas encore de concurrents, il n'y a pas encore de chaîne de valeur ou d'écosystème qui soit constitué, eh bien vous êtes, alors sans forcément le savoir, dans ce qu'on peut appeler entre guillemets un marché émergent. Alors il faut savoir qu'il peut ne pas émerger du tout hein, d'ailleurs, hein, donc il faut faire attention. C'est en gros, beaucoup d'entrepreneurs commencent à travailler dans un marché qui n'existe pas encore, et ça va être leur job de le faire se créer. Donc vous le reconnaissez quand eh bien, le produit que vous proposez, le type de produit que vous proposez n'a jamais existé avant, que vous allez voir des clients potentiels qui vous disent « Oh là là, on n'a jamais acheté un truc pareil, très dur de trouver, d'identifier des concurrents ou on a des demi-concurrents, etc. » Donc c'est par cet ensemble d'éléments que vous voyez que vous êtes sur un marché qui est... encore une fois, ce qu'on appelle émergent, mais qui est plus en fait inexistant ou pas encore existant. Voilà, c'est un peu ces signes-là. Donc, les entrepreneurs qui ont été confrontés à ça le savent. Hein, c'est bien parce qu'on n'a pas de concurrents, et c'est très dur parce qu'on n'a pas de concurrents, et donc forcément, les clients ne peuvent pas nous comparer et donc peuvent retarder leurs achats. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire sur cette question-là. Très bien Philippe, merci beaucoup pour cette réponse. Là il est donc ça, on a pris un petit peu de retard, donc c'est l'heure de conclure. Donc je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Oui, bah, juste pour merci Yannick, merci à Xavier, merci à Alexandre surtout pour sa participation. En conclusion, on a vu des témoignages, des questions. Je pense que le message, c'est vraiment l'effectuation, c'est pas un dogme, c'est un certain nombre de principes qui sont mis en œuvre de manière un peu différente, hein, chacun un peu à sa sauce. Je crois que c'est un message important et que chacun doit adapter. Et on l'a vu là dans les quelques exemples qui ont été donnés et qui correspondent par exemple aussi à mon expérience. Donc merci encore à tous pour votre participation, pour votre participation ce soir, mais aussi sur les forums, sur le compte Facebook. Ça part vraiment dans tous les sens. On a, faut l'avouer, on a un peu de mal à suivre de notre côté, mais on va y arriver. Et merci bien sûr à l'équipe de Youno, Yannick et surtout Manon. Parce que voilà quoi, ça bosse dur en coulisses, on ne le voit pas forcément, mais pour gérer tout ça. Très bien, merci Philippe et merci à Xavier, à tous, et bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.